250 millions. Les enfants qui ont voyagé, l'autre a eu à 200 000 pour un médaille de bronze. C'est l'argent qui est pour bandit. Tu es volé. Tu as signé 59 millions, tu as fait quoi avec? Pas de bandits comme ça. Nous, on souffre dans le paradis. Ça fait plus de combien d'années? Tu nous fais, tu sais combien de dettes j'ai pour les suppléments de travail pour tes sales compétitions, Chobanis. Tu m'as appris un jour. C'est bon. C'est bon quoi? Ce n'est pas bon. Voilà, j'ai une opération ici là. Tu peux payer pour ça. À cause de ces pères que les portes là, tu peux payer. Bandit les bandits. Tu prends l'argent de l'État, tu fais tes business avec. Tu dis que tu es un Yao Kaber. Bandit. Tu es un bandit, monsieur. C'est quoi ça? Le plan de faire ne compétit pas ici. Vous avez fait la liste de plaques de paralysie. Arrêtez-moi ça. Mettez ça au sol. Pas ça. Pas de powerlifting. Nous, on est dans le liste classé. Oh, c'est nous qui devons compétir, mais nous, on ne compétit pas. Par rapport à vos gestes, vous êtes des bandits. On ne compétit pas. On ne compétit pas. Ils ont fait la fille de suite. Lui, il a payé son billet d'avion avec l'argent de l'État que tu as décaissé. C'est toi qui as dépensé pour lui. Il t'a donné tout l'argent, non? Tu arrives là-bas, tu dis qu'il fait des jours, il rentre. Bande de maquis, bandit. Vous êtes bandit. Vous êtes bandit. Bandit. C'est devant le représentant du ministre. Le représentant du ministre est là. Le représentant du ministre est là. Il ne faut pas le ministre qui écoute tout ça. Ce qui se passe. Nous on souffre. Nous on souffre. Yeah, on souffre. On souffre. L'État est sur là, vous prenez, vous faites votre business. On souffre. Vous prenez l'argent de l'État, vous faites votre business avec. On n'accepte pas ça. Mais là, tu es malade, il faut 300 000 pour t'opérer. On souffre. Il me faut au moins combien pour m'opérer? Tu vas me donner combien? Tu me nourris? Tu payes ma maison? En powerlifting, en squat, qui me peut ici? Qui me peut? Qui? Qui? Vous prenez le bras de fer pour faire le powerlifting, pour faire semblant dans le, devant le représentant du ministre. Ce ne sont pas les powerlifters, monsieur. Ce ne sont pas les powerlifters. Appelez les powerlifters, non, on va squatter. Tu as fait camouflage à l'international africain. Bandit. Tu vas voir ça. On va marcher partout dans tous les médias. Ne touchez pas le père ici là. Les paralysés, on doit toucher le père. Ça concerne les paralysés. Quel est le médaille de bronze? Tu donnes 200 000 à cet enfant. Il mérite ça. Au championnat du monde. Championnat d'Afrique. Tu as signé combien de millions? Championnat du monde. Bandit. À un athlète. À un athlète. Médaille de bronze. Tu as donné combien? C'est signé au ministre que tu as donné combien? Un athéophile, il a eu ça. Bandit, vous êtes voleur. Timez tout ça. Parce que ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. On ne veut pas ça ici au Cameroun. C'est pour ça que les gens ont le problème avec Samuel Eto'o. Parce que c'est comme ça que vous jouez maintenant. Les responsables comme les vous, comme ça. Mieux que la fédération. Le ministre prend la fédération comme la fédération de rugby. Ça fait maintenant là. Il gère les armées. Nous, on sera en l'aise. Bandit comme ça. Tu es un bandit. Arrêtez-moi ça. Celui qui touche le fer là, moi, je suis prêt à mourir, moi. Parce que ceux qui arrivent, les nouveaux powerlifters, ils doivent bénéficier dans le fer. Nous, on a porté, on n'a rien vu. On n'a rien vu avec les bandits comme ça. On n'a rien vu. Voilà son collaborateur. Tu pars où? Tu pars où? Oui, le RG, c'est à toi que je parle. C'est avec toi que vous mangez la jambe. C'est avec toi, monsieur. C'est avec toi, ne fuis pas. Le RG a son mot à dire. Ne fuis pas, si tu as dit. Le RG a son mot à dire. Ne fuis pas, si tu as dit. Le RG a son mot à dire. Oui. Vous avez fait une liste de paralyptés. Aucun paralypté ne passe. Aucun paralypté n'est en train de compétir là. Vous avez fait une liste de paralyptés. Vous avez fait une liste de paralyptés. Aucun paralypté n'est en train de passer. Oui, c'est ça. Au moins, il y a toi qui est fait parce que tu es collaboré avec ce bandit. C'est pour ça que tu vas manger. L'ami d'un bandit, c'est un bandit. Oui, je vous respecte. Et je te respecte toujours. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi. Le paralysie doit changer. Ça doit changer. Allez, réunir mon père.
bandits comme ça là. Nous, on veut un changement dans le pays ici là. Les gens, pourquoi on ne veut pas? Oh, c'est pitié incroyable! Vraiment, on est ça, ça nous met notre cœur mal au cœur. Autorité administrative, autorité religieuse, autorité traditionnelle, promoteur des shopping. Mesdames et messieurs, ceci vous concerne. N'achetez plus vos vêtements de luxe et vous lavez dans n'importe quel pressing. Désormais, la solution, c'est chez Mr. Clean. Mr. Clean est le meilleur pressing dans la ville de Yaoundé. Désormais, pour tous vos problèmes de ménage, les chaussures, les habits, les moquettes, les tapis, dirigez-vous directement chez Mr. Clean. Mr. Clean est situé à Ngousso, face Total, à Emana, face Mesafi, à Bastos, Carrefour, Moto Georges, village des jeunes au niveau d'Etetat, Biemassi, immeuble Express Union, Oja, avant l'entrée du collège Adventiste, Kouaban, avant Santa Lucia, venant de Mimboman, Abia, descend Pharmacie du Soleil. Juste une précision, Mr. Clean importe ses produits de nettoyage depuis la France et l'Allemagne. Donc, n'achetez plus vos vêtements de valeur, de luxe, vous partez laver dans n'importe quel pressing, que parfois ça brûle vos vêtements, ça déforme, ça transforme vos vêtements. La solution, c'est chez Mr. Clean, le meilleur. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.